The President will now declare the continuation of a proceeding. Next, I would give the floor to Judge Lavange to continue his questioning. Vous invite à poursuivre les questions que vous posez à l'accusé. Related to the document UNHCHR of the UNHCHR. Ce matin, vous nous avez expliqué que vous aviez rencontré des journalistes avant d'être interviewé par Monsieur Péchou. Est-ce que vous pouvez nous préciser, je crois que vous l'avez dit, mais je crois que ce serait bien ce soir dit de façon très claire, est-ce que vous pouvez nous préciser si vous avez également rencontré Monsieur Péchou et Madame Hugo avant l'entretien qui a eu lieu donc le 30 avril, qui a commencé le 30 avril. Est-ce qu'avant cette date-là, vous les avez rencontrés? Et est-ce que vous saviez qui vous rencontriez? After I met the two journalists, après avoir rencontré les deux journalistes et le caméraman, I separately met three j'ai aussi of rencontré Christophe Péchou, à part Monsieur Christophe Péchou, Miss Hugo, Mademoiselle Hugo, and Heng Ham Keng. Et Heng Ham Keng. These three who arrived at my younger sibling's house qui était arrivé chez mon plus jeune frère. My younger sister. Chez ma plus jeune sœur plutôt. So we talked. Et donc nous avons parlé. At that time, the Peshu side took me to see the site et where Péchou a school was to be built. Voir un site où on allait construire une école. And after going to visit that site, when we après returned home, avoir vu ce site, they nous sommes rentrés, organized for me to go to Battambang. Et ils ont organisé pour moi, faire en sorte que j'aille à Battambang. So I met these people, these three people, separately from those journalists. Donc je les ai rencontrés, ces trois personnes, à une autre occasion que les journalistes. And I believe they gave me a name card. Et ils m'ont donné leur carte de visite. Each of them gave me a name card. Chacun d'entre eux m'a donné sa carte de visite. Miss Hugo and Péchou also gave me the name cards. Mademoiselle Hugo et Monsieur Péchou m'ont aussi donné leur carte de visite. They clearly told me that they from the UNHCR. Et ils m'ont dit qu'ils venaient du Haut Commissariat au Commissariat aux droits de l'homme. And they told me their boss was Thomas Ammerberg. Et ils m'ont parlé de Thomas Ammerberg. And they invited me to come to Battambang under the term of discussion for building a school. Discussion concernant la construction d'une école. That is my reply to your question. Voilà pour ce qui concerne cette question, Monsieur le juge. Donc, selon vous, la seule raison pour laquelle on vous a dit de venir à Battambang, c'était parce que vous alliez discuter de la construction d'une école. Il n'était question de rien d'autre. Ils ne sont venus discuter que de ça avec vous. Oui.
khiem mau Bat Dam Bong jmuoy ning ke ni khnom ke ni chue chet them to Bat Dam Bong with a strong belief that Bat Dam Bong croyant to that we discuss with them to find fund for building a school de la façon de trouver des fonds pour construire une école. Est-ce que vous leur avez fait connaître quelle était votre qualité, quelles avaient été vos fonctions antérieurement? Est-ce qu'ils étaient informés et qui les avait informés de votre présence à cet endroit? They told me Ned Taylor told them. Ils m'ont dit que Ned Taylor leur avait dit. So they knew I was Dutch, the chairman of the S21. And I also presented them to the district headquarters. Et je leur ai aussi présenté le siège du district. Vous avez donc discuté de S21 ou pas? So did you discuss S21 or not? With these two representatives from UNHCHR, avec les deux représentants du Commissariat aux droits de l'homme, I did. Oui. I told them. Je leur ai dit. About the S21 office at my younger sister's house, and also on the way when we walked towards the location where a school was to be built. Vers le site où l'on devait construire une école. Qui a proposé au père Bernard de venir? To that father, to Father Bernard, that he come. The accused, the person who invited Bernard, celui was not Père the UNHCHR representative. Ou le représentant du commissariat aux droits de l'homme. It was Ned Taylor. C'est Ned Taylor. Est-ce que vous étiez informé que le père Bernard allait assister à cette réunion? Would be attending the meeting. The accused. At first, Ned Taylor. Au départ, Ned Taylor. Was about to find another person, but he found Bernard, so he invited Bernard. Il a trouvé Père Bernard et donc il l'a invité. Avez-vous su que le père Bernard allait être présent et est-ce que vous aviez cherché des explications à savoir pourquoi ce prêtre était là? Why this priest was there? Did you try to get an explanation for his presence? Mon bon, Ned Taylor và thầy cứ tới bấm tình chứ. Ned Taylor a dit qu'il aimerait inviter stay with me. Quelqu'un qui restera avec moi. And then I said, okay. Et j'ai dit d'accord. You could go. And then, without the Jesuit came, but Bernard came instead, and he presented himself. C'est pas un père jésuite qui est venu, et c'est le père Bernard himself qui est venu finalement et qui s'est présenté. Pour discuter de la construction d'une école. To discuss the building of a school. When Bernard came, knew that the issue of my testimony to them that I was interrogated was already discussed, and I expected that. Je m'attendais déjà à être interrogé par ces deux personnes du Haut Commissariat. Depuis quand vous attendiez être interrogé et sur quoi vous attendiez-vous être interrogé? So, George Lavergne, you say that you were expecting to be interviewed or interrogated.
About what were you expecting to be interviewed? ការដែលគេសួរចម្លើយខ្ញុំនេះគឺចាប់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃ29 It started from the evening of the 29. Ça a commencé le soir du 29 avril. Sorry, not that. Please hold on. Non, non, je me reprends, dit l'accusé. Maybe the 30th. Peut-être le 30. Of April. Le 30 avril. And then on the 1st. Et puis le 1er. And on the 2nd and on the 3rd of May. Le 2 et le 3 mai. So I started to meet Bernard on the 30th of April. Donc j'ai rencontré le père Bernard le 30 avril au matin. We had a discussion, but then they already discussed about this even from the evening before that. Mais eux avaient déjà commencé cette discussion la veille, le soir d'avant. Alors, j'essaye de comprendre. Est-ce que avant que l'interview ne commence, avant même que vous ne vous rendiez à cette interview, vous étiez informé des questions qu'on allait vous poser, et est-ce que vous étiez informé que le père Bernard serait là pour vous aider psychologiquement? នៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមសួរនឹងហើយដែលនេតថៃ started to ask question that Nathaya asked me to find someone to support Nathaya avait demandé de trouver quelqu'un pour me fournir un soutien psychologique that he decided to look for a jesuit et c'est lui qui a décidé de chercher un père jésuite so the reason that the idea to find some psychiatrist or someone to support my emotion was originally from donc l'idée au départ était de Nettayer. And I would like to say that my church was in Bat Dombong in Chomka Somrao. Mon église était à Bat Dombong dans la province de Bat Dombong. But at that time I was mixed up and I could not think j'étais assez confus et j'avais du mal à penser. Therefore, I let Nathaya et donc, to j'ai invite Nathaya jesuit, but then ce père jésuite, that person did not come. Mais finalement, except, le père jésuite en question n'est pas venu et c'est le père Bernard qui est venu. So I was interrogated or interviewed while Bernard was close j'ai donc to me été and interrogé he spoke alors que Khmer le père Bernard se trouvait à mes côtés, il parlait Khmer couramment. Bien, donc vous êtes allé à une réunion qui était prévue avec M. Péchou, Mme Hugo, et vous saviez qu'au cours de cette réunion, vous serez assisté par un prêtre. Et vous saviez qu'on allait vous poser des questions. Est-ce que c'est exact? Est-ce que vous saviez si on allait vous poser des questions sur S21? Donc, la grande catégorie. The accused, your honor. Your honor, says the accused. Monsieur le juge. At the beginning, when Peshu was not yet there. I did not expect they would ask me about S21. But when they landed from the plane, mais quand ils ont débarqué and then de they took their confession, and then I realized why I was interrogated or alors j'ai compris pourquoi on m'interrogeait. No, they took the list of questions. Ils avaient une liste de questions, reprend l'accusé. And then
and I saw liste de questions. Them and I asked them. I was surprised because et moi, j'étais surpris. I told them, "Wow, I was interviewed." Et j'ai demandé pourquoi on m'interrogeait. Interview or interrogate me because the court was not yet established. Et pourquoi moi, puisque il y avait pas encore le tribunal. Has no permission. There was no permission from the government. Et le gouvernement yet. N'avait pas encore donné l'autorisation pour ce tribunal. They had the mandate of the United Nations. Ils m'ont dit qu'ils avaient un mandat des Nations Unies. They said they had the United Nations mandate, and I could not say anything un mandat else. Des Nations Unies, donc and je pouvais then rien they dire d'autre. Also took pictures. They were about to take both pictures and record my voice. Ils s'apprêtaient à prendre des photos et à enregistrer ma voix. I did not agree. Moi, je n'étais pas d'accord. I allowed them to only take the record of my voice, not the pictures. Je ne les ai autorisés qu'à enregistrer ma voix, mais pas à prendre de photos. This is what I told your honors earlier voilà that I was not satisfied with the conduct of that intérieurement, à savoir que je n'étais pas satisfait de la façon dont s'était passé cet entretien. So I had not been in the position to mais je n'étais cooperate, pas, et donc je n'étais pas en âme de véritablement coopérer. But some times I was even angry with Heng Ham King. J'étais même en colère contre Heng Ham King. So in conclusion, et donc, the things that I have just said, ce que je viens de dire, was the product of my et emotional le résultat painfulness from de, the consequences of des the Pol Pot regime et de mon état consécutif au régime de Pol Pot. I whatever regretfulness or remorse I have had, I quelque would like to reveal to the full capacity. Éprouver, je veux révéler entièrement ce qui s'est passé. But in reality, when I could see that Heng Ham King was rather not well organized or aggressive, là, then I could not really hold my anger. N'était pas très organisé et parfois je ne pouvais pas retenir ma colère. Vous nous avez dit que M. Pichou vous avait indiqué qu'il avait un mandat des Nations Unies et que cela l'autorisait à vous poser des questions. Est-ce qu'il vous a dit que vous étiez obligé de répondre à ces questions? They told me that they had the ils right. M'ont dit qu'ils avaient le droit. I was told that they said they had the right because they had the United qu'ils Nations en avaient le droit mandate. Parce qu'ils avaient un mandat des Nations Unies. So they pressed on using that word, that term, donc, right in front of me. Sur le mot droit là devant moi. So therefore, they confirmed their rights. That the rights suggested that I was obliged to respond. Et implicitement, cela voulait dire que j'étais obligé de répondre. Est-ce que vous avez été conduit de force à cet interrogatoire? Est-ce que vous avez été retenu de force? Est-ce que, puisque cet interrogatoire s'est déroulé sur plusieurs jours, vous êtes à plusieurs reprises allé de force? Est-ce que vous avez été contraint? There had not been any police who guard along the road. Non, il y a pas de policiers le long de la route. However, mais at that location, à cet endroit, there were four of us. Nous étions quatre.
who stationed there, those people included me, dont moi, Christophe Pechou, Monsieur Pechou, Heng Hom King, and Netaya, who stayed in another separate room, qui se trouvait dans une autre pièce. I stayed in another separate room. Et moi, j'étais dans une autre pièce. Heng Hom King and Pechou stayed in another separate room, individually. Une autre chambre, suppose l'interprète. Heng Hom King and Pechou partageaient la même chambre. Le père Bernard went with his to his church. Est allé à son église. But Hugo went to her tandis office. Mademoiselle Hugo est allée à son bureau. So people who were at the location were four, and the other people went to their places after the interview chez eux finished. Après la fin de l'entretien. Vous avez été entendu par les co-juges d'instruction sur le déroulement de cette audition et une question vous a été posée par Monsieur Alex Bates, co-procureur, et sauf erreur de ma part, vous me direz si je me trompe, mais vous avez répondu que vous n'aviez rien caché à Christophe Pechou et que vous aviez librement répondu aux questions qui vous avaient été posées au cours de l'entretien. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez déclaré devant les co-juges d'instruction ou est-ce que ça ne correspond pas à vos souvenirs ? Regarding the my free answer, pour ce qui est de savoir si j'ai répondu librement ou non, without any force, sans y être contraint, it stemmed from my spirit that I would like to reveal the truth. Oui, effectivement, parce que je voulais révéler la vérité. However, in some cases, dans certains cas, King et Pechou shouted at me. That's why some of my statements were made without any much thinking. Et j'ai fait certaines déclarations sans beaucoup réfléchir. J'ai juste répondu sans réfléchir au fait que j'allais être tenu responsable de ces réponses. The evidence in the form of the voice recording, I think, still there. Existe toujours. My communication, my, enregistrement qui contient with, ce que j'ai dit avec Heng Hom King. Although that recording is not the original version, même si cet enregistrement n'est pas la cassette originale, c'est néanmoins recording, un enregistrement my voice of the voice of me and Heng Hom King, ma voix et celle de Pechou King ainsi que de Pechou lors de cet entretien. However, in general, at that moment, en général, à ce moment-là, I was
I could feel that the Pesu who represented the United Nations became like a thief who came to steal things from. Était en quelque sorte venu en voleur, me voler quelque chose. From me, I do not regard him as other person, but I called. No, I'm talking about Mr. Pesu, who did not have any permission Je from the government Pesu, yet, but du gouvernement he worked, he acted like a thief who came to voleur, in my opinion. Et à mon avis, the United Nations should have be more well behaved and not the way like Pesu treated me. Et non pas se comporter comme Pesu l'a fait. And I would like to note that the reason that I Et j'aimerais noter was satisfied at that moment because of Thomas Hammerberg conducted a press release on Thomas the 30th. A publié un communiqué de presse le 30. He told the people that he found me, I was found, and he sent the name to Sok-an. Et il faisait référence à Sok-an aussi. To the Minister of Justice and to de Paul la Justice, Sarun. Ainsi qu'à Paul Sarun. And if he had done that, it would have been proper, but the way Pesu et ça, ça conducted été an interview with me la façon was not that proper. Conduit, this is based on pas my normal. Thought. Voilà ce que je pense. Combien de temps après cet entretien avez-vous été interpellé? This interview were you taken into custody? Thank you, Your Honor, for asking this Monsieur question. Juge, je vous remercie de poser cette question. On the fourth night, le quatrième jour, in the morning of the 4th of May, I left le matin the du 4 hotel mai, j'ai quitté l'hôtel to sleep at Battambang. Pour dormir à pour aller à Battambang. On the night of the 5th, et I went to sleep 5, at my house. Je suis rentré chez moi. And on the night of the 6th, the police et took me 6, to sleep at the prison in Battambang. La police est venue et m'a emmené à la prison de Battambang. But they did not have me slept in the prison cell, but they allowed me to sleep in the working cellule, office of the prison staff. Ils m'ont laissé dormir dans les bureaux de la prison. In the morning of the 7th, le matin du I was 7, picked up by a helicopter and on brought m'a to Phnom Penh. En hélicoptère et on m'a amené à Phnom Penh. And on the night of the 7th, et I la slept. Nuit du 7, I apologized. I slept at the Khan Admin J district headquarters for one night. Central pour une nuit. Police. At the police headquarters for au one night. Au siège de la police pour une nuit. And a person named Sun from the et Ministry of Interior went down to interrogate me. Est venu m'interroger. And later, I saw the staff from the military tard, court to come to j'ai vu des gens get me, au tribunal and militaire pour I was brought to the military court on the night of the 8th. Écroué au tribunal militaire la nuit du 8. Est-ce que lors de ces
interrogatoires ou est-ce que lors de ces rencontres avec les personnes, Monsieur Sun, ministre de l'Intérieur, ou avec les juges de la cour militaire, on vous a fait état du contenu de l'interview qui avait été effectuée avec Monsieur Péchou. Ce qu'on vous a confronté avec the interview that was conducted by Monsieur Péchou. L'octagramme qui était groupe. L'accusé. L'octagramme qui était groupe. The accused, Your Honours. When an investigating charge from the lorsqu'un military juge court d'instruction du tribunal militaire an interrogation a mené with me, un interrogatoire, donc avec moi, he had no tape recording il n'avait or any pas text. De moyen d'enregistrement ou de texte. I apologize. He did not je m'excuse. Bring any tape recording, il n'a pas taped apporté the tape or any d'enregistreur text sur cassette or copy of the ou text. De matériel ni de copie du texte of Christophe Péchou de to present to me during the interrogation. Pour que ce document soit présenté pendant l'interrogatoire. And from my recollection, he did not even mention about that event. Il n'a pas fait mention de cet événement. Judge Lavergne. Il est question dans votre audition d'une proposition qui vous a été faite de vous rendre en Thaïlande pour éventuellement y être interpellé et éventuellement être jugé en Belgique. Il a également été fait mention de ce qu'on vous avait proposé, une somme d'argent pour vous rendre en Thaïlande. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément aussi quand cette proposition vous a été faite? L'accusé. Thank you, Your Honours, for raising this question. Je vous remercie d'avoir soulevé ce point. Toward the end, Péchou and Miss Hugo told me that Péchou runs around the whole world. Monsieur Hugo, on dit que in order to find an asylum ils for me, c'est de trouver un asile, terre d'asile pour moi. For me to be at a political asylum. Pour me permettre d'être demandeur d'asile politique. And in the end, they said they couldn't find it. And then et en fin de compte, they told me, ils m'ont fait savoir qu'ils prison in Belgium. Il n'était pas arrivé à cet objectif et ils m'ont parlé de la Belgique. That I should go to ils m'ont dit Belgium que je to devrais be in prison me rendre there. En Belgique pour y être incarcéré. I could not believe it. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. I was speechless. J'étais sans voix. So, I asked them if I were to go to Belgium and if I were to be tried, si je devais aller en Belgique, si je devais comparaître devant la justice, if I were to be tried and if I were to be et si sentenced, je devais not être for condamné. A life sentence and if I had to return home, pas how could I find enough money to buy an airfare to return home? Condamnation à perpétuité, mais comment est-ce que je pourrais retourner dans mon pays, retourner chez moi? And then I also asked another question. Et ensuite j'ai posé une autre if question. I were to be in prison, si on devait m'emprisonner in Belgium, en Belgique,
Could my relatives go and visit me? Est-ce que how could they find enough les membres money de to ma famille pourraient, comment pourraient-ils me rendre visite en prison? Comment est-ce qu'ils pourraient réunir les fonds nécessaires pour leur permettre de venir me rendre visite? This is the words that I tried to show my gentle objection. Alors les mots que j'ai formulés pour formuler mon objection. However, they still forced me to go. Cependant, they ils gave m'ont $50 néanmoins forcé à venir. Ils m'ont donné $50 pour monter dans une voiture et partir. After I left a bit further from Paipat, then the international police would arrest me. M'a arrêté. And then I would be sent to Belgium. Et donc on m'a dit que j'allais être envoyé en Belgique. I was speech left, so bon, j'étais sans voix. In the morning. Et donc je suis parti le matin. That was the time Bernard spoke one word to Pechu. Donc j'ai. He was disappointed. Monsieur Pechu était déçu. Please stop. Let me refresh. Permettez-moi de reformuler la chose. C'est à ce moment-là. That was the time Bernard. Que Bernard. Play a word to Christophe Pechu. A dit un mot à Monsieur Christophe Pechu. Pechu asked me if Monsieur Pechu I m'a ate demandé enough. Si j'avais suffisamment mangé. The Khmer word means le mot Khmer signifie filled with rempli. Let the interpreter stop and let me say in Khmer. Permettez-moi d'intervenir en Khmer et permettez aux interprètes de s'arrêter là. When Pechu asked me whether I was full with my meal, si j'avais le ventre plein, donc d'avoir mangé, I replied that j'ai répondu yes, que oui, j'avais le ventre then plein. Bernard said, et ensuite Bernard a dit full with dissatisfaction. Ah, plein de satisfaction. It means I was disappointed, ça veut dire que j'étais angry, déçu, en colère, plein de dissatisfaction. That was correct. Ça, c'était une traduction juste. Quand Judge Lavergne, on vous a proposé pour la première fois de vous rendre en Thaïlande, à quel moment Thailand, exact? At which exact moment? Monsieur le juge Lavergne, puis-je vous inviter à reposer la question, car l'accusé a répondu trop rapidement à votre question, sans donner suffisamment de temps aux interprètes pour leur permettre de faire leur travail. Veuillez reposer la question, et j'aimerais rappeler à l'accusé la chose suivante. Veuillez écouter l'interprète. Lorsque l'interprète a terminé son travail, ensuite vous pouvez répondre. Donc, je vous repose la question suivante. À quel moment précis a-t-on évoqué avec vous la possibilité d'aller en Thaïlande pour être jugé à l'étranger? John is
l'accusé. They started to show their intention. Ils ont commencé à montrer leurs intentions, à savoir que je devais être incarcéré à Bruxelles. They show their intention. Ils ont montré leur intention pour que je sois incarcéré à Bruxelles. Une fois l'interrogatoire terminé, leur interrogatoire terminé. That is, it was on the evening of the 3rd of May 1999. Voilà, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Judge Sofian, I do not have any further questions. Thank you. Mr. President, the co-prosecutor, do you have any comments Monsieur to make or what is your intention à formuler, of wanting to take quelle the floor? Est votre intention? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Because I think this is the time now Car the chambers temps est venu will declare que la chambre déclare the end of the any adversarial discussion afin de on M13 office. Contradictoire concernant le centre. Thank you, Mr. President. It was just that the co-prosecutors Monsieur wished to ask one or two follow-up questions from Judge si Laverne's questions to the accused on the circumstances par of the 1999 interview. We do not have anything more to say on M13. Mais sinon, nous n'avions rien d'autre à dire. C'était juste pour suivre. Sur ce qui venait d'être dit. The President, yes, the floor is yours, but I would like to remind you all that the defense has clearly stated from the beginning. Je souhaiterais vous rappeler que la défense a dit dès le départ que nous deux ne devrions pas poser de questions concernant la teneur, le contenu de cette interview, simplement des questions sur la date et le lieu où cette interview a eu lieu. Was in fact my intention. Oui, merci, Monsieur le Président, répond le co-procureur international. Mr. Kangkak-Yu, you've made some very serious allegations vous avez porté des allégations about the conduct concernant of the people la who interviewed conduite you. Des personnes qui vous ont interviewé. You have said vous avez déclaré that Christophe Péchou que Monsieur Christophe Péchou and Ham Heng Keng et Monsieur Ham Heng Keng shouted at you vous ont crié dessus a number of times. À maintes reprises. And you have said et vous avez that dit Mr. Péchou que Monsieur Péchou is like a thief est comme un voleur. Come to steal information. Et s'est comporté comme un voleur. Il est venu voler. Is there any reason why you did not tell the investigating judges n'en avait pas parlé those aux, things qu'aux juges d'instruction when you were given the opportunity lorsque l'on vous a en a to put your responses la possibilité either verbally or in writing. Formuler vos commentaires, que ce soit oralement ou par écrit. Ça, c'est ma première question. The accused. Now, my response to the co-prosecutors. L'accusé. I would like to state that eh bien, the en réponse evidence à la question du co-procureur, je dirais to confirm the discussion pour confirmer and les discussions the force that they made upon me la was force recorded in the tape. You can examine the tape. Faire pression sur moi. Secondly, eh bien, vous pouvez my observer my et constater à l'écoute de l'enregistrement. So, et if
suggestion. Et donc, si je suis coupable de mes actions, bien sûr, je vais accepter. Mais M. Peschaud s'est conduit comme un voleur. Pourquoi n'avait-il pas un accord au préalable avec le gouvernement? Si je suis responsable d'actes, je suis prêt à assumer la responsabilité pour mes actes. To be more specific, pour être plus spécifique, Monsieur Kangetil, you've had the opportunity. Vous avez eu l'occasion. To point out these threats that were made by Monsieur Peshu and Mr. Ham Heng Kang. You've had the opportunity to have the tape listened to. Vous avez eu la possibilité d'écouter. And those parts of the tape. L'enregistrement. Put. Et que ces parties. Where you allege. That they are threatening you or shouting at you. Can you explain to the court why you have not done that so far? Ils vous ont crié dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal pourquoi vous n'avez pas, vous n'avez rien fait pour mettre le doigt sur ces événements? L'accusé, Monsieur le coprocureur, je vous invite à écouter. See those issues. How many minutes that you, that the judge have just asked me? Eh bien, combien de minutes les juges ont-ils consacré à me poser ces questions? Mr. President, I would like to read a document from the case file, which has already been referred to by His Honour Judge Laverne. Monsieur le juge Laverne a it déjà is the record of interview of the accused dated 21st of January en date last du, year, document D38, in English, ERN 00159555. In response to a question en by the co-investigating judge, Marcel Le Monde, Monsieur Marcel Le Monde, co-juge d'instruction, regarding the conditions concernant of the meeting which took place de la réunion in early May 1999, au début de mai 1999, the charged person answers l'accusé répond, in some detail, a répondu, alors, de manière détaillée, and at the end, he says, fin, I will send you réponse, these observations dit, shortly, early February, at the latest. Donc, au plus tard, début du mois de février. That is in relation to ceci the interview porte that we're discussing today. L'interview qui est au centre de nos débats d'aujourd'hui. I ask again, Mr. Kankekyu, je vous pose la question, is there any reason why, fois, why you have not presented these extremely serious allegations extrêmement graves, of the behavior of concernant Mr. le comportement de Monsieur Peshu today. Avant, aujourd'hui. The accused. L'accusé. My respectful co-prosecutor. For Monsieur the document that you read, I would like you to read from the to read from the beginning, so it could be in passage details. Du début de manière à and probably it's better ce en est if en you détail, can ask the Cambodian co-prosecutor to read it in Khmer. Vous puissiez demander au co-procureur cambodgien de lire ce document en Khmer. You, ça c'est Alex la première Bate, question. Deuxièmement, j'aimerais to que vous demandiez really à Monsieur Alex Bate the de se rappeler de la date à laquelle cette interview a eu lieu and now, how many et we have noter le nombre de minutes que nous avons issue. Eu pour débattre les, ces questions. I'm very happy to invite my Cambodian colleague to read from the portion in Khmer. Je suis tout à fait disposé à demander à mon collègue, mon confrère cambodgien, de donner lecture de ce document en khmer. Le président. National co-prosecutor, you can take j'invite Monsieur le co-procureur cambodgien à donner lecture de ce document en Khmer, tel que l'accusé vient de le demander. Somakon lok.
The co-prosecutor, le co-procureur, je vous remercie, Monsieur le Président, de me permettre de donner lecture de ce document. On page 4, page 4, with ERN number 15, 88, 38. In the section when the accused dans la section, sur le fait que j'étais interrogé tous les jours de 7h à 11h et de 14h à 16h, et cela du 30 avril ou du 1er mai au 3 mai après-midi. The interview was conducted cela s'est passé dans la chambre qui avait été louée à mon intention. Accommodation fee was tous mes frais étaient payés par Christophe Péchou. Les questions posées par Christophe Péchou en français étaient traduites en khmer par l'interprète. Je répondais en khmer et l'interprète traduisait en français. Mr. Vous. Judge asked me to provide my observation in writing. On m'a demandé de faire parvenir mes observations écrites sur les deux documents. Document 001, donc 001, intitulé Interrogatoire de Geck-Hill, alias Duc, chef de S21, les 4, 5 et 6 mai 1999, et document TO7, c'est-à-dire D9, intitulé Interview avec Duc. Je vous ferai parvenir ces observations dans les meilleurs délais et au plus tard début février. So this is what donc voilà ce que M. Kangakil, alias Duc, a déclaré comme mon confrère l'a déjà indiqué. Monsieur le Président, François Roux, Mr. President, j'ai l'habitude de demander quand on fait une lecture qu'elle soit complète. To asking for complete readings when alors readings je souhaite are made. Lire en français. So I would like to read in French, therefore, cette audition du 21 janvier. Read out this interview of the 21st of January, but from the start. Pas seulement ce qui arrange les coprocureurs. Only what suits the co-prosecutors. Alors, depuis le début, so, since the start, c'est une question de M. Youngboulin, juge d'instruction, from Yung Bulin, the investigating judge, qui, le 21 janvier 2008, on the 21st of January 2008, demande à Duc, is asking Duc, vous souvenez-vous do you remember que les 4, 5 et 6 mai 1999, vous avez été interviewé par les journalistes et par un représentant de l'UNHCHR. Le paragraphe suivant s'intitule Observation de Maître François Roux. J'aurais aimé qu'on la lise. Qu'ai-je dit ce jour-là? Avant que notre client ne réponde à cette question, la défense tient à ce qu'il soit noté au procès-verbal ses réserves quant à ce document. Les réserves en question sont de deux ordres. D'une part, M. Duc n'a pas seulement été interviewé par des journalistes, mais aussi par un représentant des Nations Unies qui aurait dû attirer son attention sur son droit à garder le silence, ce qui n'a pas été fait. D'autre part, il existe une certaine confusion
quant aux diverses traductions de cette interview, figurant au dossier. Which have been included in the case file. Nous souhaiterions d'ailleurs obtenir une copie des cassettes of the audio de l'enregistrement. Ces réserves étant actées, notre client est prêt à répondre à vos questions. Et effectivement, par la suite, les juges ont posé des questions comme maintenant M. le juge Laverne sur la manière dont la rencontre s'était passée. Et à la fin de ces questions, il a été donné la possibilité à Duc de faire parvenir ses observations. Duc a alors attendu que les coprocureurs veuillent bien fournir une copie des enregistrements, puisqu'il y avait effectivement de grosses difficultés avec les documents écrits qui étaient produits. Nous ne comprenions plus rien à ces documents. Certains documents étaient des notes prises par M. Péchou lui-même, et d'autres documents étaient une traduction en anglais des propos apparemment tenus par Duc. Quand nous nous sommes retrouvés le 5 mai 2008 devant les juges d'instruction, après que Duc ait pu entendre les cassettes, voilà ce qui a été. C'est mieux, monsieur le juge ? Pardonnez-moi. Your Honor, may I please have 5 minutes? I apologize. Judge Laverne, it seems précision pour une certaine loyauté dans les débats. So that figure the à la cote D79 du dossier une lettre file, qui est la lettre adressée par M. Péchou au co-juge d'instruction. Cette lettre est du 8 mai 2008 et c'est la lettre d'envoi des cassettes. Donc, je ne suis pas certain que le 5 mai, les cassettes aient été à la disposition de l'accusé. Est-ce que peut-être lui pourrait nous donner la réponse ? Je pense que nous avons déjà eu des premières cassettes avant, puisque le 5 mai 2008, Duc est à nouveau interrogé par les co-juges d'instruction, et il dit ceci, vous avez raison, à ce moment-là, elles ne sont pas encore versées. Ouais. Il dit ceci, et c'est là que je voulais en venir, on ne m'a jamais dit que cette déclaration serait utilisée contre moi par un procureur. On ne m'a pas notifié le droit de garder le silence. Je ne souhaite donc faire aucun commentaire sur cette déclaration. Bon, je constate, et ça rejoint votre observation, monsieur le juge, dont je constate que les cassettes originales ne sont même pas versées au dossier. Nous sommes donc le 5 mai. Nous sommes donc le 5 mai, et le 5 mai, les cassettes ne sont toujours pas versées au dossier, en effet. Et Duc conclut auprès des juges d'instruction, en demeurant, j'ai essayé pendant l'instruction, en présence de mes avocats, de répondre à toutes les questions des juges. Je considère donc cette déclaration à l'UNHCHR comme
dépassée as et sans intérêt and aujourd'hui. Without any interest today. Ceci était pour répondre this was to answer à Monsieur le procureur the qui semblait vouloir reprocher à Duc de ne pas avoir fait de plus ample commentaire. Reportez-vous, mon collègue, please, au procès-verbal du 5 mai 2008. Il a effectivement dit au juge d'instruction qu'il ne souhaitait pas faire plus de commentaires dès lors qu'il s'était expliqué devant des juges. He had explained himself before the judges. Yes, you are. I understand Maître Roux's point. Je comprends ce but I'm afraid it's a bad one. Roux, mais, je crains que I'm not asking seeking this every single tiny point to be put before this court. Que chacun de ces points it's not a matter soumis à la chambre. Of tiny detail. Ce n'est pas une question ici de détail. It is not an insignificant detail. Ce n'est pas for un détail an accused to allege that he'd been shouted at, in effect threatened. And it is that point that I wish to bring to the trial chamber's attention. I believe I've made my point. I don't believe we're going to get an answer. And to quote my friend's own words, the chambers can draw their own conclusions from that. I have one last question to put to the accused. And that is this. Would Mr. Kang Kik-il accept that the real reason he does not want the responses he made to Christophe Péchou put before this trial chamber is because some of the responses are even more incriminating than he gave and has given so far. Que ce qu'il a and that today he doesn't want those answers used against him. Aujourd'hui que ses réponses soient utilisées contre lui. I don't understand your question. Je ne comprends pas votre question. I don't know what you asked me. Je ne sais pas ce que vous m'avez demandé. The president. The prosecutor. It appears that you were asking, putting question to the accused, but through our observation, we don't know whether it was your question or your own remarks. Je ne suis pas sûr de comprendre si c'était une question ou si c'est votre propre interprétation que vous avez avancée. Voulez-vous donc reformuler votre question? Is able to de sorte answer que your question l'accusé and, puisse please try to répondre. Avoid ambivalent question that make the accused not answer your question and ambiguë. Then he would be framed as pretending not to answer the question. So please repeat auquel cas l'accusé risquera de ne pas pouvoir répondre, mais President. Il risquera de dire qu'il refuse de répondre à la simply, question. The question oui, je reprends is la question. The accused est-ce que afraid of the responses that he gave to the representatives of the High Commissioner for Human Rights, Christophe Péchou. Monsieur Christophe Péchou, est-ce qu'il craint donc ses réponses? I would like to frankly put it to the prosecutor that I am
not in je any fear. Je dois dire très honnêtement au procureur que je ne crains hand, rien. I would like to make sure that I can really get something out of my chest. Et j'aimerais ici me libérer de quelque chose. So this is about the interrogation that the Peshu asked me and about des questions the response que I made Monsieur to Peshu him. M'a posé des réponses que je lui ai données. Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'à travers ces questions, Monsieur le Procureur soit en train de faire parler l'accusé sur le fond de la déclaration. Ce n'est pas le sujet. The accused to talk about the substance of that interview because that is not what is at issue here. Nous avons dit que nous parlions we seulement des conditions dans lesquelles la déclaration a été recueillie. Under which et Monsieur le Procureur essaye de rentrer par la fenêtre alors qu'on a fermé la porte. To go in through the window because the door has been closed. Ne posez pas, s'il vous plaît, de questions substantielles. I beg of you, please do not put any questions relating to the substance. No further questions, thank you, Mr. President. Le coprocureur, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président, merci. Le Président. The remarks by the defense is appropriate. Now, la remarque de la défense est appropriée. Has received all related information la regarding chambre that document a and the chamber les informations nécessaires concernant le document qui a été évoqué et la chambre rendra une décision so en temps utile. Now the chamber would like to announce that the matter of M13 comes to an end. Nous en avons ainsi terminé avec l'examen du point M13. From now on, the chamber is in the session of putting to the discussion the matter of the establishment of S21 and Ta Kmao prison. De la création de S21 de la prison de Ta Kmao. The chamber also reminds parties to the proceedings la that according to the direction regarding the topics, à la there are 8 topics. L'ordonnance portant calendrier relatif au sujet, il y a 8 sujets, dont la création de S21 et la prison de Ta Kmao. The reasons we laid out these orders of the event is to si nous avons prévu ces sujets dans cet ordre, c'est pour faciliter and it is, la conduite des débats. In accordance with the closing order that et the cela orders est aussi conforme organized that way à and to l'organisation avoid de l'ordonnance the mixed up de renvoi. Of, the nous facts. Avons souhaité that's why éviter qu'il n'y ait confusion entre like les différents faits. To only focus nous on vous this demandons particular de topic and facts vous concentrer sur and, la question à l'examen to avoid any confusion by just only focusing on this particular topic. Toute confusion. Next, the security guard, could you please bring the accused to je the dock? Je demande au garde de sécurité d'amener l'accusé à la barre. And then we can proceed with what the chamber has already planned. Après quoi nous pourrons procéder selon le calendrier prévu. Look, Kang Kyeo. Look, you'll be a little bit on Mr. Kang Kyeo, said the President. Are you now clear that from now on comprenez-vous the court is in session concerning the establishment of le point relatif S21 à la création de S21 altogether with the prison in et de la prison de Ta Kmao? Could you please change the headsets for the accused?
Voulez-vous donner un autre casque à l'accusé, demande le président. The president, before we come to the heart of the issue, we would like to inform Deutsch that we are now proceeding to the facts of S21 regarding the establishment of S21 and another subsidiary fact, which is the Ta Kmao prison. And because there are a lot of facts in the case, that's why les faits mentionnés dans we have le dossier to sont nombreux. Put them in order, starting c'est from il a fallu décider d'un the certain ordre, I mean, and to the establishment of the S21 and the Kmao prison, and then come to the functioning de operation of S21. Do you understand? La mise en œuvre de de son fonctionnement. Est-ce que vous comprenez bien? Monsieur Kang Gek-yeo, pouvez-vous dire à la Chambre about your memory of the establishment ce que vous of souvenez S21. Concernant la création de S21? You take the floor. Accusez la parole. Accused Mr. President. First, I would like to confirm that S21 was the combination of Security Office of Division 3, un bureau de sécurité de Division 3, le bureau 03, by Nat and other dirigé cadres, par Nat et d'autres cadres who came from M13 office. Qui sont venus du bureau M13. So my introduction is that S21 was donc, S21 formed a été from créé Security Office M13 and à cadres from de M13 et de cadres du bureau 03. Monsieur le Président, pardonnez-moi, il y a des problèmes de traduction terribles. Mr. President, there are serious translation problems. Ça n'est pas le bureau 03. It is not office 03. C'est le bureau 703. It ça n'est pas la même chose. 703. It is not the oui. Same thing. I would like to confirm again that the oui, division was Division 703, division. And that security office belonged to the Division 703 or called Office division, 03, and I only used this term. Nat had a secret name, which he referred to as Brother 03. Aussi, on l'appelait Frère 03. So next, I still remember that. Je me souviens aussi. I would like to state this to the whole court. At the beginning, I only touch upon the parts of the cadres from 703 who j'ai joined les cadres de la division 703 hands at S21 et qui on the 20th of June 1975, I was called to attend a training session. Convoqué, my subordinate, my deputy, Sum, and Mir and brother Mom Nai Elis Chan, who were party members Chan, who studied in Phnom Penh, starting from the 24th
of June 1975. Why I remember the date clearly? Because there are documents, the notes of Brother Mom Knight that the co-investigating judge's office gave it to me. Qui m'a été donné par le attended the session for about half a month. Participé à cette session de formation pendant 15 jours environ, et mon chef Sun Sen m'a demandé wait for the decision at the train station and other cadres were allowed to go back to their les office, except Comrade Sum, who was allowed to look for a wife in Siem Reap. So I waited for a work at the train station in Phnom Penh, à la gare de Phnom Penh. Which was called the Secretariat's messenger. Qu'on appelait le secrétariat des messagers. So coming to this point, I would like to take this opportunity to reveal the truth. Et je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte ici de dire la vérité. That was wrongly presumed. They said that I stayed at the office on dit que of the messenger, au bureau des messagers, and with the leader, but actually it avec was les not dirigeants, true. Mais ce n'est pas vrai. At this location, it was for the messengers endroit, of Sun Sen, for cadres who were not been appointed to stay temporarily before they were appointed. Pas encore définitivement, at this location, it was at the train station of Phnom Penh. Donc, before à la gare de Phnom Penh, that, there were cadres who had stayed at that location, including Pol Pot and Sun Sen. Là, dont, Pol Pot but they had left already, and mais the evidence quitté la gare, is in the confession of Kyo Sampan, who said Pol Pot, Nun Chi, and Pol he himself stayed at the train station. And after the train station, they stayed at leur quartier they call them Silver Pagoda. À la pagode d'argent. A short while later, un they went tard, to K1 and K3 according to their testimony. K1 so altogether, by June, they reached office K1 donc, and K3 already. These are the evidence that I had not raised before. Voilà des choses que je n'avais pas and also, dites. I would like to confirm that the messengers of Sun Sen classified into three categories. One category were referred to the close messengers. Well, they called the protecting messengers. They were Comrade Nguyen and Thon, who were the close messengers of Sun Sen, and they were ready to be used at any moment because they were close to the boss. Être utilisés à tout moment parce qu'ils étaient très près du with the name of messenger, it doesn't mean that we were close messager to the leaders. So autres, there were 12 messengers controlled by Comrade Tai, and they stationed at the office where Sun Sen worked, to the north of Borai Kaila Stadium, and the name of the place was Kaila. In the map, by the co-investigating judge, we identify it as carte B. And the telephone central office was also B. installed there, and other equipment were installed. And we worked with the leaders also at this location. Avec, and the location for the leaders was named as A. At the train station. La gare avait le nom at de this code location, A. They, it was for cadres c'était who un endroit réservé were not pour les yet appointed, cadres but qui n'étaient pas, en, qui n'avaient pas encore leur affectation définitive, so mais qui étaient en attente de leur affectation. After the training, et donc, pour conclure, après la formation, at the train station, nous sommes restés which à la gare, was the place where people qui était l'endroit were waiting to où receive donc, on duties, attendait but not staying with any leaders, une affectation, mais nous n'étions pas and avec after
Nat, to take me from the train station to live with Nat at the old general quarter, quartier général sur le boulevard Norodom. And then we stayed at that location for being appointed or given duties in 15 of August 78, we were called to present the name of the establishment of S21 with Nat as the chairperson and Kang Kek-yew as deputy chief and another comrade called Kumwa, alias Hor, who was also a member. The details of that location was not yet made by the leader, and then the leader appointed Deutsch to bring your cadres from Om Lang to Phnom Penh, and that Nat, you should stay to finish your police work at the Division 703 until it's completed. And at the same time, when you want to bring forces, then you can, you could collect documents from the chiefs of the soldiers and the police and the public buildings so that those documents could be collected. And then I collected those documents. C'est donc ce que j'ai fait. I would like to say that I asked Sok. Je voudrais dire que j'ai dit à Sok, the secret force in le chef des forces secrètes de Phnom Penh, presented Comrade Sok to you because there were two Sok. Pictures of me and Sok standing posing for picture ensemble. So I just collected those documents. J'ai donc rassemblé ces documents. Me informed the chambers that when I went to collect the document at a place called Cypra, Cypra is an abbreviation, a French abbreviation, C-E-P-R-E. Le Cypra, c'est un sigle, C stands for center or central. Le centre. E means interrogation, so it's an interrogation center. And P stands for prison. P pour prison. And it is an interrogation center. Le Cypra est donc un centre d'interrogation. Que in the Khmer, the Cypra is called the interrogation center for the prisoners of war centre and the defectors. Pour les prisonniers de guerre et les, this is the document that the co-investigating judges wanted to ask me about the Cypra. This is not a DC camp document, but if you can collect this information from the Cypra, I recognize this document because I collected those documents and I collected those confessions from their office. Et j'ai moi-même, collecter les aveux qui se trouvaient this au Cypra. This is just a small description of the Cypra. It was voilà, north pour ce qui of Pasteur Road. Le Cypra. My apology is east of Pasteur Road, but c'est it's to the west of the Norodom Boulevard. And I stay at the north of the Sisowat school. Et moi j'étais au nord that's where de I was. Sisowat. It's near the old building c'est of Omsek. That's where I collected the information. C'est là que j'ai retrouvé and I did not collect those confessions. So DC Camp went to collect those documents and confessions. So in summary, I went around to collect those documents. À l'époque, je suis allé chercher ces documents. The QCRR building. Dans le bâtiment du QCRR. It's the army administrative headquarters. I also collected from Wansol's house. Siège administratif de l'armée. Also from Lundell's house. Je suis I myself went there for 2 days Lundell. To ransack it donc to collect information, documents. J'ai recueilli tous ces documents dans divers so endroits. I spent time collecting those documents, and Comrade Mies went et to collect Mies the force from Om Lang to Phnom Penh from the M13 office. À Om Lang pour and then we stayed at the Satsang Pasol Pagoda near the Kamrat Phuman Road. It was
call loger à la pagode. 371 road, I'm not sure. Près de la rue 371, je pense. So we stay there. C'est là que nous avons logé. I went around gathering documents and the rest they looked and de rassembler les documents. Look for those houses because we were yet assigned any duties. Et ce, dans l'attente toujours at that time after I collected some documents, Nat called me to go to Ta Kmao. Nat m'a appelé pour aller à Ta Kmao. As his deputy, so he took me around to see places. So he took me to see a prison in Ta Kmao. La prison de Ta Kmao. When I went there, I suddenly recognized a person who used to be close to me. Quelqu'un dont j'avais été proche. So I withdrew myself. I thought, oh, now I came to the same situation. Et je me suis dit, je me retrouve dans la même and situation. I did not want to go to that place again. But later on, Nat took me again to a special prison. Ensuite, Nat m'a encore une fois emmené dans the une special prison is for those from Kampong Chinang. De Kampong Chinang. It was a villa of the villa, the Prince Sisowat. La villa Moniret. D'un prince Sisowat, Moniret Sisowat. It was on the Norodom Boulevard to the Norodom, south au sud of the National Bank. De la Banque Nationale. So Nat took me there. Nat and I saw Sopon there, sitting there writing Lupin confession. Sopon was a deputy governor of Lone Ping during the Lone Nol regime. Sous le régime Lone Nol, et qui est en train de rédiger des aveux. So that's when I went to see the old prison. C'est là now que let me talk about the Ta Kmao. Ta Kmao used it as a prison for the division 703. Pour la division, la 703e division. Or it was called Office 03. On l'appelait aussi Bureau 03. They detained ordinary prisoners there. On y, let me confirm to the chamber that Nat used the word O3 until the end of November. He still used it, and it's shown in the documents. Et cela apparaît dans les documents. About the biography and the follow-up of Comtos, that's what he wrote in that document with his signature. So he used O3. Donc cette appellation even after the establishment of S21, they still use the word O3. C'est un I doesn't want to say that okay, O3 was responsible for the other part. I just want to say that S21 was a combination of the forces from certain office and the security office O3. Du bureau de sécurité 03. So probably it's in September or October, et I was not sure. Ou octobre, je ne suis pas tout à fait sûr. Probably it was in October, from my recollection. En octobre, si je me souviens bien. Nat, que Nat ordered me to stay m'a donné in a house in street, de loger dans une maison. Number qui se trouvait 413 or 431. 413 ou 431. It was behind the c'était derrière Tulslang Kinosadom Museum. Le, ce qui est aujourd'hui le musée de Tulslang. Belongs to the general Kier Kim Eng. He rented to UNHP at the time. Elle était I stayed there. Louée. And then I was asked to bring the prisoners from Ta Kmao to that house for the cadres to interrogate them. So my duty started from there. It means collecting those documents from the beginning. So the establishment of S21 office started from that time with me as the deputy chairman. And the Ta Kmao prison was a big prison. Ta Kmao était une grande prison. But the prison at south of the current Tulslang Museum is an interrogation place. Et au sud de ce qui est aujourd'hui le musée a bit de Tulslang, later, il y avait un Nat changes the place from the west ensuite, of Nat the a current Tulslang Museum pour aller plus vers l'ouest to the general headquarters or the police headquarters, police, which was called PJ, la police judiciaire, la PJ. But that was just an interrogation place. It was not like at the Ta Kmao prison. This is according to the analysis of the remaining documents. Des documents qui restent. So we stayed there for a while.
Then the superior said, oh, we couldn't stay there because of the Chinese visitors. So not then change it back to the old location, which was the west of the current genocidal museum of Slide. After that, I was moved from the house 413 to another house, which is called number 2. La maison 413, this house number 2 was an old villa la maison 2 qui of Dr. Mi Samadi. Du Dr. Mi Samadi. I stayed there. Et c'est là que j'ai pris mes quartiers. And when the interrogator was still at the PJ. Alors que les interrogateurs étaient encore à la police judiciaire. And after Nat left. Après le départ de Nat. I left that Dr. Mi Samadi's house la villa and stayed at the house where I took a photo with camera Sok, which I wrote number 3 on the map. So after Nat left, I supervised S21. I heard the keys of the S21 to myself. That is my response. Voilà, donc pour ce qui concerne les débuts de S21. The president. Can you give the reasons le président. Why the pouvez-vous expliquer pourquoi security office was called S21? Sécurité, what bien, is the meaning S21. Of S21 and when was S21, it called by that name? Qu'est-ce que and ça, who ça veut designated dire qui that name? A choisi ce nom et de quelle manière? The accused. L'accusé. I would like to confirm that j'aimerais the word S21 was put on the 15th of August 75. Est né le 15 août 75. At that time, Teacher Sunset, my superior, said Sunset, we did not use, we no longer use the word police because the word used by the police, by Yun used that word, so we don't use police. It. Donc, on ne va plus utiliser ce mot à partir de we maintenant. Use the nous allons utiliser le mot « santé bar ». Police means people who look after la the police, territory. Ça veut dire que ça réfère aux personnes qui surveillent le territoire. Et le mot « santé bar » signifie after the réfère peace, à ceux who qui preserve the peace préservent the la paix dans le so pays, we use about santé bar, and qui maintiennent la paix. Et donc, nous avons utilisé le mot « santé bar ». Et donc, l'abréviation pour « santé bar », c'est « S ». Et ensuite, nous avons utilisé un nombre. Lorsque mon supérieur a demandé, bien, j'ai 21, répondu, because that is my communication number. Le sous le numéro 21, so, puisque s'il s'agit de mon numéro de communication. Was established. Et donc, c'est ainsi que so, est né le nom « S21 ». Permettez-moi de was officially ce bureau known était as officiellement S21, sous le titre S21, non pas S24. Was, you know, S24. By Nat. I was surprised to hear non, S24 j'étais surpris because de rencontrer le mot S24. About the meetings on the agriculture matters, for example, une réunion Kamrat Tui went to a meeting in the name of the S21, not mais S24. Non, non, so I rejected the S24 à l'utilisation du terme S24 parce que Nat a not créé by the Communist Party of Cambodia. Par, but S21 par le biais du is under my responsibility and the crimes there I am responsible for it. Eh bien, tombé that sur is ma my responsabilité. Response to you, moi, je suis responsable des crimes qui y ont été commis. Voici ma la réponse que je voulais vous présenter, Mr. Monsieur President, le Président. Can you le Président, pouvez-vous confirmer on the organization of the pour ce qui est de l'organisation office or security du office bureau S21. De sécurité S21, donc le bureau de santé balle. How was it organized? What is its organizational structure from organisé, the establishment in the beginning? Sa structure organisationnelle au moment accused, de sa création, l'accusé. Mr. President, Your Honours, after its organization has been established, l'accusé, as I donc informed, après la création, I was in a, we were in the process of organizing bien, those étions, documents from the Lunar regime nous étions and en train to compile some of those documents. Alors,
Et nous voulons compiler des documents du régime de Lon Nol pour préparer un compte rendu pour transmettre ces documents à la hiérarchie. Par exemple, il s'agissait de compiler des documents de lieux, de sites militaires, et donc de transmettre des documents pour transmettre des documents à la hiérarchie. Ça, c'était la première mission qui nous incombait. We were at the general headquarters of the police. We asked them how to interrogate the prisoners. He established another organizational structure with his further in detail. He wanted to get an office of the S21. Mettre en place un bureau S21. Then I also signed on the word S21 for that office name. Appuyé, donc j'ai signé so pour que ce bureau S21 separately, soit créé. Donc ça, c'est la vérité. The daily activity and the administrative work, including those in Preso, was under the supervision of Camarade Paul. Était sous la supervision du camarade Paul. C'est ce que je maintiens toujours. Do not avoid from the crimes committed, but I just want to express the truth. Je dirais fuir la responsabilité vis-à-vis des crimes commis, mais je veux préciser organizing those documents and the confessions. Mise en place de ces documents ainsi also, que les confessions, les aveux. And would like to également, inform the chamber je souhaiterais informer la chambre que Nat était secrétaire et donc le travail du parti tombait sous une responsabilité de sa connaissance. Nat were in the revolutionary line from the 1965. Moi, so on the theory, I met him. Dans on la the communist theory, I met him. Révolution. On the proletarian theory, yes, I met him. Sur la théorie prolétarienne, so, something bad or the security office of S21 was established. Nous avons établi S21 sur ces théories, mais Nat n'a pas mené pas les réunions, en tout cas pour ce qui est de la partie politique. Ceci m'incombait. Cela signifie que moi j'avais des responsabilités administratives et la responsabilité des confessions. Was under whole, et under Nat obéissait à S21 et donc ceux qui venaient de Hamelang faisaient partie de l'équipe we de have S21. Read the document, Monsieur and alors, le Président, clear nous avons about lu the mechanism of the establishment of various offices and S21. For instance, the par document exemple, office, the logistics, pour le bureau, guards, donc la logistique, les gardes, l'établissement des documents, instance, les équipes d'interrogatoire, pour les interrogatoires. Permettez-moi de vous poser une question. Au début de la création des 21, de quelle manière cette organisation fonctionnait-elle, comment, y avait-il un organigramme various, units, pour for les différentes unités, from pour le fonctionnement des différentes unités for the time of its establishment or at a later stage? Dès la création, ou alors est-ce que ces organigrammes ont été créés plus tard? Mr. President, Your Honor. L'accusé, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. The old organizational chart was in place and I did not change it. De l'organigramme était à Pressard, était venu de Pressard, mais je ne l'ai pas changé. Moi, j'étais adjoint, je ne voulais pas changer l'organigramme. So, after he left, I was also I did not change and I allowed Paul to manage all the daily activities. À procéder à la gestion and des I, activités quotidiennes. Myself, I dealt with the superiors. Et moi-même, moi, je and traitais for avec other units, les photography, supérieurs. For instance, l'unité the interrogation, par exemple, l'unité d'interrogation pour les interrogatoires, les gardes, the special force team, donc les the production unit and the education, the re-education unit, these small units, l'unité d'éducation, were
existing from the previous arrangement. Existaient déjà dans le cadre des dispositions établies précédemment. Et pour ceux qui venaient de M13, affectés aux unités pour les interrogatoires, assistant. For example, when I want to order somebody to do something, I wrote it down and I gave it to Mom Nai. But for Ho, I did not have to write him anything. I called him to come and discuss, and then I assigned him what to do, and he did the work as my deputy without going through Nai. But Nai had to give to take the written order from me. And for Comrade Bon, he was not an assistant, he was a cadre. For integration of the important prisoners. And besides that, I still maintain the old existing infrastructure. Nous avons utilisé l'ancienne infrastructure. Question. Est-ce que vous vous rappelez the names encore of the people who were in charge des personnes responsables de S21? Est-ce que vous appelez, portez le titre de directeur de S21, adjoint du directeur, ou alors membre du secrétariat, ou y avait-il des différences quant à la manière dont les personnes étaient identifiées par rapport à leur fonction dans S21? Réponse. Mr. President, in the formal way Monsieur of the party, I was the secretary du parti, of secrétaire committee of S21, du where S21 office and du bureau de S21. So this is the full tribe et member of S21, and we did not recruit people donc as well. And I was regarded as the chairman of S21, while Ho was my deputy. Pendant que but ce in general, the office adjoint, was called, général, I was called the chairman of S21. On m'a désigné comme directeur de S21. C'est comme ça qu'on me désignait. Court, the president, le président, pouvez-vous dire à la Chambre que lorsque il y a eu cette intégration des forces, la division, la 703e division, Office M13, how many of them were altogether? Les personnes concernées, il y a combien de personnes y avait-il? Réponse. There were hundreds of il y people avait from division une centaine de personnes de la 703e division. I could not secrétaire de l'unité spéciale. And he was in the military rank, and the special unit was trusted. Et so il bénéficiait d'une confiance. Ce sont des personnes qui ont combattu très dur pour le parti. Position. And when I was at Omlang, I was member of the branch office only. Moi, je n'étais que membre de la branche. So, in short, et donc en bref, these forces, ces forces, if we're talking about the value of the forces, it was equivalent forces, bien, to a battalion, à un bataillon. Or we can put it this way, that the value of it was that no one was on top of it, en fait, and was below que it. It was the de rang supérieur ou inférieur. Il s'agissait d'un régiment indépendant. So there were three il units. Il y avait trois unités. The unit of the l'unité secret de resistance. La résistance. There were about 10 of them who brought in.
Il y en avait donc une dizaine, et seulement une personne est partie. Il s'est échappé à Phim Kampong Tra dans la province de Kampong Chian. Et donc ces deux éléments étaient combinés l'un avec l'autre, avec donc des éléments de la 703e division. Collection, there were selon mes souvenirs, il y avait environ 200 personnes de la 703e division. In the division, there were dans la division, forces. Il y avait so de nombreuses I took them on a track, personnes. Two tracks. So altogether, there were about 50 people that I requested. Dans deux camions, il y avait environ 50 personnes. So, the composition of la the composition people at S21 were in S21. Hundreds. Eh bien, on parle de centaines de personnes, cadres ainsi que de combattants, accompagnés de cadres, and de combattants, et des personnes qui étaient à moitié combattants, cadres. I think altogether there were about 2,000 or more than 1,000. Je pense qu'il y avait au total plus de 1000 personnes, mais ces personnes, toutes ces personnes n'étaient pas sous mon contrôle. Le président, vous avez indiqué que les personnes qui ont organisé la création de S21, eh bien, c'était à l'initiative de Sun Sen. Est-ce exact? Réponse. Sun Sen, mon supérieur hiérarchique, a initié la création de S21. C'était le responsable général. Just now you said le président, vous venez de dire que vous êtes rendu à la prison de Ta Kmao. Was it the prison at the location of la prison se trouvait-elle occupait-elle le site occupé par l'hôpital psychiatrique? Oui. Est-ce que vous avez remarqué que les prisonniers détenus à sur ce lieu, combien de prisonniers y avait-il? Réponse, je ne me suis rendu que dans une pièce et le docteur Chi, 25, and I did not want to know more in the name of the deputy chief about the people who were arrested there. But I would like to say that mais je souhaiterais the prison at Ta Kmao, que la prison de although Ta Kmao, Nat left it, Nat, bien que Nat asked l'avait me, quitté, Nat m'a I used demandé, the word pleaded j'ai with utilisé, me. Il a plaidé pour qu'il m'a expliqué We should give que nous devrions donner Ta Kmao à d'autres. Mais lorsqu'il est parti, il est revenu pour rendre visite au camarade Hoare. So I can say that, et je peux dire que la prison de Ta Kmao existed until May or jusqu'à July. Mai ou juillet. And then we organized et ensuite, nous avons organisé High School to, nous avons fait en sorte prisoners. Que l'école Ponyea soit le lieu où les prisonniers soient détenus. Après cela, il m'a demandé de conserver cette prison. Un jour, Sun Sen, mon supérieur, m'a dit yes. Duc. Et j'ai dit the Kmao, oui, the Ministry of, la prison de Social Affairs wanted. Le ministère but des Affaires sociales souhaite that, occuper ce lieu. Et j'ai dit que non, je ne peux donner cette prison à moins que j'exhume les os des cadavres qui s'y trouvaient. Ensuite, Sun Sen a exigé que nous Ta Kmao prison to the social affairs. But then we had to deal with the bones, et ensuite il fallait s'occuper des os, des cadavres qui étaient enfouis. Et il fallait procéder à la crémation. Un mois plus tard, on a signalé que les os avaient été passés par la crémation. Et cependant, il en restait
certains sous les grandes digues. J'ai ensuite appelé mes supérieurs en disant que les os avaient été exhumés et qu'on avait procédé à cette crémation sous ces canaux. Et donc c'est de cette manière-là que les choses se sont organisées. Le président, vous avez dit précédemment later on, there was an interrogation. There were two interrogation locations in deux sites pour les interrogatoires. And that could you please confirm their position? Pouvez-vous confirmer cet élément? When response when at réponse. PG, I taught people to interrogate and also I formé des prepared aux interrogatoires. J'ai également préparé the superior regarding the string of traitors. À destination, à l'attention des supérieurs, pour savoir comment ces personnes allaient être détenues. Et donc, les prisonniers amenés de la prison de Ta Kmao sur deux sites d'interrogatoire, y compris donc l'ancienne prison de la PJ. Et bien, après les interrogatoires, où ont-ils été envoyés? Ont-ils été renvoyés à Ta Kmao? In principle, anyone who was being after interrogation, everyone après interrogatoire, tout le monde devait être éliminé, and I can écrasé. Presume that the at that Ta Kmao prison was the place where people were smashed. La prison de Ta Kmao était le lieu où les personnes étaient exécutées. Et donc à la prison de la PJ, on ne pouvait pas vraiment éliminer des personnes, ni les brûler, ni brûler leur corps, car il y avait un sol en briques et en ciment. Et je voulais préciser qu'à la PJ, je ne me suis jamais rendu là-bas. Une fois, je me suis assis avec Nat et avec Ban Hut, the former Khmer Isarak. Alors un ancien Khmer Isarak. His name was given by the former prince. Son nom avait été donné par l'ancien prince Sihanouk. So Nat probably would like me to. Et donc Nat probablement il souhaitait que je help with maintaining that location, but I just listened. L'aide à maintenir en état la prison. The accused to speak a little more slowly. It's a little difficult for the translators, and I'm having trouble. Pouvez-vous demander à l'accusé de ralentir le rythme, car ces explications sont difficiles à suivre pour les interprètes. Si vous voulez bien demander à l'accusé de ralentir. Intervient le coprocureur international. Le président, permettez-moi de vous rappeler la question de la traduction. Moi-même. Je trouve que les choses sont difficiles à suivre et pourtant je vous suis en Khmer et donc je pense que cette remarque du coprocureur est pertinente. Veuillez ralentir votre débit de manière à permettre aux interprètes d'avoir suffisamment de temps pour traduire votre intervention à la fois pour les questions et pour les réponses. President, next. Président, give the floor to the bench or the judges of the bench. Passer la parole if you have any questions à mes confrères, to be put to the accused related to the facts on the establishment of S21 ils sont libres à eux de poser les questions quant à la création de S21 prison et at la the former psychiatric prison hospital. De Ta Kmao, un ancien hôpital psychiatrique. My apology. Je présente Let mes excuses. We have a brief break. Faisons une courte pause. We are running out of tape. Car nous n'avons plus suffisamment officer, de please.